Animalia, des amis des animaux peut commencer. Aujourd'hui, nous dans un endroit paradisiaque, comme on a dit paradis, Maurice un paradis de la terre, nous dit qu'il dans paradis, nous dans le petit paradis, un paradis qui appelle Vrindavan, si je vais prononcer bien, avec Monsieur Bouden qui nous présente un petit moment et il crée un bout de paradis, non seulement pour lui, mais aussi pour des animaux très particuliers, des pets très particuliers, je vais trouver un à côté, on dit là. Donc c'est des vaches, des bœufs. Et nous parlons de tout ça là aujourd'hui, nous donnons un endroit aussi, je dis bon qu'il me dit ça parce qu'avec sa conseille bananée qui m'a dit la première fois, je t'en dis qu'il y a un endroit appelé Petit Merleau à l'île Maurice, nous juste à côté de Dubreuil, et donc dans Petit Merleau, dans un endroit Vrindavan, et tout cela nous parlons de Animalia, nos amis des animaux, à tout de suite. Animalia aujourd'hui peut commencer dans un endroit extraordinaire qui beaucoup du monde ne connaît. Je tiens à nous dire ça pendant l'introduction, qui s'appelle Petit Merleau. Nous sommes à côté de Dubreuil. Et dans ça, l'endroit qui est déjà bien joli, beaucoup de nature, ban pont, ban la rivière, etc. Bon, invite de venir un coup d'œil avec Petit Merleau. Et il y a l'endroit extraordinaire que M. Bouden ici présent. Nous avons besoin de M. Bouden nous boutons de ses histoires, nous boutons de ses passions. Mais déjà, avant qu'il nous parle. Écoute aux histoires, Monsieur Bouden, et on nomme ça l'endroit là, un nom. Oui. Donc comment on appelle lui? On appelle ça Vrindavan. Et ça veut dire quoi? Vrindavan, c'est l'endroit dans l'Inde que Krishna tu peux habiter. D'accord. Et là-bas, tu as 900 000 vaches. 900 000 vaches. Oui, 900 000 vaches. Alors Krishna, tu es entouré en vaches. D'accord. Et on choisit donc ça l'endroit là, on l'appelle oui. Vrindavan parce qu'effectivement, on fait vivre un sanctuaire pour les vaches. Un oasis, un spiritual oasis. D'accord. Quand on va quencher notre spiritual thirst. D'accord. Avant de nous parler de ça. Bon, pour qu'on parle des affaires uniques qu'on fait à Maurice. Non seulement l'endroit, mais le workshop aussi. Oui. Avant de parler de là, c'est qui M. Bouden? Moi, raconte un petit peu de vous-même. Moi, je suis un recteur. D'accord. Je suis gradué en mathématiques. Hier, en maths depuis Delhi University. D'accord. D'accord. Donc, vous êtes toujours fully actif dans votre domaine professionnel. Oui. Décembre, je pour retirer. Ah, là, je suis full time dans Go Sea Watch. Et je pense que ça a un travail encore plus demanding. Oui, oui. Bien sûr, il y a le métier professeur qui est un métier extraordinaire. Oui. Mais c'est un métier que vous pouvez faire à côté là, qui prend tout le temps plus tard. C'est un métier vraiment. Mais depuis 25 ans, on fait ça. 25 ans. Monsieur Bouden, vous avez remarqué qu'il est tellement passionné, qu'il a envie de raconter toutes ces histoires. Mais avant ça, je connais aussi qui est donc un lieutenant qui va appeler. Oui, je m'appelle Surya Narayan Das. D'accord. Et qui veut dire Das veut dire serviteur et Surya Narayan veut dire bon Dieu. D'accord. Un serviteur de Dieu. Alors, serviteur de Dieu. Ah. Et nous tous, nous avons besoin d'un serviteur de Dieu. There's no greater task qui nous capable de servir bon Dieu, n'est-ce pas? Oui, exactement. Après toutes nos technologies, après tout nous, ce qui la science indienne, finalement, ce qui m'a fait dire, c'est que nous devons retourner vers la nature, retourner vers l'agriculture, donc retourner vers les animaux pour nous gagner nos matières premières, nous gagner nos idées, etc. Oui, oui. Ce n'est pas gagner les légumes, pas gagner les fruits, mais comment pour vivre. Quand on combien de l'auto, il y en a qui pour manger tôt, ou pour manger cadenas, qui pour manger. Et nous trouvons ça pendant le confinement. Ben oui. Pendant le confinement, nous réalisons qu'il y a des gens qui peuvent avaler. Exactement. Nous réalisons que les choses matérielles peuvent avaler, ce qu'on avaler, c'est que la terre peut produire. Ben oui. Pareil comme on dit, ami des animaux. Alors moi aussi, moi pareil. Bien sûr. Ou tu es dans l'expérience? Non. Dans... Non, mais mon maman, tu peux nourrir vas dans. Ok, donc tu es dans le basic knowledge. Basic knowledge. Mais jamais ou même où tu nourris? Non, jamais nous tu fais. D'accord. Maman, tu es dans la forme droite, moi, maman, tu finis débarrassé au bandouage. D'accord, mais où tu es dans l'endroit pour mettre ça?
Là, je vais construire. Je vais prendre l'eau, je vais construire ce autre bâtiment. D'accord. Je ne vais pas tirer la casse. Et c'est à partir de là que sa histoire a commencé, sa l'amour a commencé. Oui. Ça, nous ne pouvons pas dire sa légende a commencé. Parce que tout le monde connaît dans Maurice Astaire. Oui. Donc, et sa légende a commencé à partir de là. Là, on commence à recueillir des animaux, des vaches. Oui. Un peu plus régulièrement. Quand on dit que les gens connaissent, toute personne, moi, peut dire que j'ai une vache pour vendre, mais je ne peux pas acheter ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens m'ont remarqué. Quand je peux faire l'élevage, ce n'est pas nécessairement un végétarien, ce n'est pas nécessairement un gens qui va avoir une connotation religieuse pour eux. Mais je, finalement, développer un attachement. Mais oui, surtout pour les enfants. Oui. Moi, je ne peux pas vendre, mais bon, certainement, nous respecter l'opinion de M. Blanc, parce qu'il y a une passionnée. Oui, oui. Donc maintenant, où dans l'éducation, on dit beaucoup avec les enfants. Oui. Moi, ma formation, c'est moi, en psychologie en matière animale. Oui. Je pose une question, parce que moi, je trouve dans mon avis, comme on dit avec Bandimoun, quand on peut faire un enfant élevé dès ce départ, parce qu'ils ont dit, et comme moi, je suis petit, je suis un peu d'adis, je suis un vas. Donc, je peux jouer avec des animaux. Je peux aller à la rivière, je peux faire des grenouilles, comment sauter. Mais au disant, nous pouvons réaliser qu'il y a des enfants de plus en plus coupés avec la nature. Quand un enfant est élevé, il gagne sa proximité avec une vache ou n'importe quel animal, qui bien fait ça que ta papa mène? Il y a deux bienfaits, un respect, une responsabilité. Des affaires qu'il faut développer. Parce que moi-même, quand je suis petit, mon maman, tu peux dire moi, premier chapati, premier du pain qu'il tu peux cuire, rôti qu'il tu peux cuire, mon maman, tu peux dire moi, elle donne vache. C'est vrai? C'est vrai ça, l'universel ça. Premier rôti, et dans l'aine. Il montrait nous, pas une égoïste. Exactement. First serve others. Exactement. And then for ourselves. Yeah. Fait comme il y a un enfant, malheureusement, son maman, il m'a quand il est il est capable de vivre avec les vaches. Mais va se dire, il y a la même affaire que maman se dit. Je pense que toutes les familles asiatiques, longtemps, il y a beaucoup de gens qui peuvent élever vaches. Chaque la classe, il y a vaches. Exact. Donc, et aussi, après, nous parlons de bienfaits physiques aussi. Hein. Okay. Donc, mais ce que je connais, moi, c'est que avant, par exemple, surtout dans l'Inde et dans les pays asiatiques, la vie était centrée autour de la vache et du bœuf qui fait parce que. Bien sûr, comme M. Boudin dit, il de nous dîner. Donc, souvent, dans un pays, quand tu es un peu pauvre, quand nous avons besoin de manger, parfois équilibré. Donc, dîner tient un apport, nous gagnons ce calcium, nous gagnons ce protéine, etc. Nous gagnons ce good fat, nous avons bon gras dans dîner. Ouais. Et nous sommes capables de faire un produit dérivé, donc nous gagnons du beurre, nous gagnons ce ghee, etc. Mais aussi, pas oublier, bœuf type, la boue, la terre. Donc, c'est-à-dire, nous sommes là, M. Boudin, à cause de l'agriculture. L'agriculture, tu peux permettre parce qu'il nous a des animaux qui tu peux aider nous pour la boue la terre. Et il n'est pas créé pollution. Et il n'est pas créé pollution. Et dernièrement, nous partons à l'auto, donc nous peux servir sa rente. Exactement. Donc, vraiment, le bœuf et la vache, ils sont omniprésents dans la vie de l'humain. Et c'est pourquoi nous avons ce grand respect là, disons. Oui. Alors, les enfants, quand ils sont pour respecter les animaux, ils sont pour feed les autres, ils sont pour get les autres. Quand les enfants comment content ban animaux ban chiens ban sat autres pleurer quand comment dire quand c'est pas autres ban animaux et arrivé on me disait bouger depuis l'endroit que tout était on a les pieds montagnes oui là là parce que tu faisais un endroit un peu plus oui côté dans l'herbe d'accord côté moi pas l'herbe trop misère et monsieur Boudin il n'y a pas quelque chose en tête, mais je connais où Panji Moun va blow your own trumpet. Mais I will blow your trumpet. Et il dit comme ça qu'il est tellement passionné qu'il arrive un air où tu peux louer terrain. Et quand il arrive là pour payer la fin de l'année, c'est-à-dire, vous trouvez, il n'a pas d'accord qu'il va payer presque. Quand quelqu'un prend un bizarre, pas besoin d'écouter ça. Donc, mais finalement, arrive l'année, les petits bizarres tirent ce bonus de fin d'année pour y aller payer donc ce terrain-là. Et qui montrait qu'il y a vraiment une dédication totale de Haut-Port. Donc, et c'est la vérité qui m'en tient. Oui, oui. Bizarre, il y a ça. Hein? Après quelques temps, on bousait de Montagne, la Laura. De la Laura, on vient ici. Là, depuis combien de temps aussi là? Et depuis 10 ans. Depuis 10 Presque ans. Presque 10 ans. D'accord. Et là, je trouve, on peut ajouter une nouvelle activité. Oui. Bon, déjà, nous vous trouvez à travers l'image de Sandy Rennes aujourd'hui, à quel point c'est immense ici. Donc ici, qui est superficie, Wenala? Wenala, 9 arbres.
Donc, on n'effort pas. Les latins pour l'État. D'accord. Et nous gagnons pour faire élevage. Idéalement, ici, Vrindavan, on appelle un sanctuaire pour les animaux retraités. Oui. D'accord. Oui. Et là, actuellement, combien d'animaux vous avez ici? Moi, il y en a 57 là. 57. Oui. Et depuis où on commence à Salvation, là, oui. Combien d'animaux vous avez sauvé à peu près? 250. C'est-à-dire 250. Dans les derniers 25 ans. Dans 25 ans, le récit sauve 250. Oui, oui. Et aujourd'hui, vous avez l'équipe qui donne un coup de main? Un peu. Pas trop. D'accord. Pas trop. Et nous, mais comment dire, si mon père n'a pas tiré recteur, mon père n'a pas tiré recteur, bien difficile. C'est pas possible. Mais je pense, moi, une bonne raison qui fait mon sollicitude pour faire l'émission aujourd'hui, c'est parce que souvent, je t'entends dire que vous avez l'aide. Oui. Tout à fait normal. Parce que là, sa entreprise qui vous fait là, elle est gigantesque. Oui. Besoin d'aide, besoin de moyens financiers, besoin de monde pour donner un coup de main. Oui. Une affaire qui me vient tous moi, pendant le confinement, oui. Tu trouves que nous ne sommes pas capables de bouger. Oui. Je te rappelle, ça a payé bien noir oui. de notre histoire mondiale, mais aussi à l'île Maurice. Oui. Et moi, tu trouves que les policiers oui. permettent de manger pour les oui. animaux. Oui. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Raconte-moi un peu. Pour le confinement, je travaillais qui coupe l'herbe. J'habite en Henrietta. D'accord. Mais depuis ici, quand je peux aller en Henrietta, il y a une place où je peux barrer. Oui. Mais quand je peux barrer, je ne peux pas aller. Mais comment je peux amener ça à l'époque, moi j'ai 55 vaches. Comment je peux amener l'air pour Gaumata? Gaumata pourrait sans manger. Parce que par jour, j'ai besoin de camions l'air. Mais je ne veux pas laisser moi aller. Des camions l'air par jour? Oui, des camions l'air. Parce qu'il y a 57 près 60 vaches. Non, mais beaucoup l'air pour manger. Mais ben, la police et ben, du monde dans l'endroit. Parce qu'il y a dans toutes les stations, il y a une personne qui a un peu ben, social, d'accord. welfare, of choses. Mais là, il y a une fête de mois, là, il y a un gagne. Mais je tenais à remercier en passant la police, bien sûr, en général, mais je connais qu'il y a beaucoup de policiers qui accueillent les animaux. Et il y a un particulier pour les animaux. Souvent, ben, le rescue, il raconte moi, policier, il trouve un chien au lari. Ouais. Il ramasse, il amène une station, ouais. mais si elle n'est pas capable de garder, donc il contacte un rescue. Donc, et là, quand je trouve effectivement le policier, tu peux venir de nous autres, ouais. tout ça, ouais. ça faisait chaud au cœur. Oui, oui. Mon dépense, c'est basé sur deux affaires. Un, c'est moi, Esteban Kaufid, appelle ça Pounak, quand du monde compte ça comme Pounak. Pareil comme nous, les enfants, mon Vitabix, mon Nestum, mais Vas, mon Kaufid. D'accord. Mais mon besoin, à peu près, comment dire. Un peu 150 balles pour NAC. Une balle coûte moi à peu près 500 euros. 150 balles, il y a combien de temps? Un mois. Un mois. Mes amis, je rarement fait l'appel moi, mais ce qu'ils m'ont trouvé ici, je suis capable d'assister à eux. C'est un travail extraordinaire que M. Boudin peut faire avec son équipe. Et il mérite tout le support. Donc, comme tout un travail qui vraiment peut faire avec l'équerre, je suis capable de reconnaître. Bien sûr, je trouve qu'il y a plusieurs variétés basses. Oui. Et nous, moi, quand je suis petit, tout le temps, je t'en dis, vasse, il y a beaucoup bien fait. C'est-à-dire, l'eau ce fumier déjà un extra manioc, un fertilisant. Et parfois, ben, même ça, l'odeur qui s'est dégagé là, pour nous bronzer, c'est bon. Ce gilet, il y a une vertu incroyable. Oui. Donc, où c'est où le domaine, oui. raconte-nous un peu bien fait. Donc, bien fait de la santé oui. qui vase capable de nous. Et ben vase qui est un boss. Il y a un vase là-bas pour les roses. D'accord. Il y a un boss hamp. D'accord. Après, il y a encore une qualité. Comment vous pouvez connaître qui sa qualité vase là. Alors, ce boss là, il attire un rayon depuis le soleil qui aucune entité vivante n'est pas capable d'attirer. Donc, lui déjà, il diffère lui-même des autres, oui. Des autres variétés. Oui, la cause de la bosse. Les autres attirent un rayon soleil et ça, il crée l'eau dans son gilet. Ça, gilet là, il y a une propriété guérissante. Oui. Et il guérit aux maladies. Donc, c'est ça, va ça qui nous peut causer là. Oui, ça l'autre va ça. D'accord.
Donc, là, où, ça, ok. Il y a un fanon en lien en bas. D'accord. Et ça, c'est sa bosse qui vous peut dire là, moi. Là, oui. Et sa bosse, ça, même qui vous dit moi, tu as une réunion spécifique. Oui. Il y a quand même beaucoup vaste là. Est-ce qu'il ou produit à l'IAP? Malheureusement, non. Parce que monsieur, il y a beaucoup de monde qui pourrait être sa émission là. Oui, pour envie d'IAP, ça va ça avec vous. C'est impressionnant, hein, mon pan d'espoir de réaliser. D'abord, ce gros cerf qui était, il est bien costaud. Oui, il l'appelle Narshima. Narshima. Oui. Bonjour, je t'aime et je ne t'approche pas trop de moi. Alors voilà. Immense, hein. Vous trouvez les Comores les entiers. Mais bande vaste qui est un boss là. Oui. Les autres différents. Vous poussez bien le mot. Les autres nobles. Exactement. Non, il y a une noblesse dans eux. Oui. N'est-ce pas? Vous trouvez comment les autres là? Les autres, tu peux maçonner les autres la case. Oui, mon rentre dans la case qui tient en maçonnerie. Mais là, tu n'as aucune maladie. Aucun insecte pas tu peux venir. Monsieur Boudin, il y a ça, vraiment beaucoup de choses qui m'ont fait vivre. Je vous dis, amène-moi un moment de souvenir d'enfance. Je me rappelle, moi, tu es un mon daddy. Oui. Mon daddy se sert. Tu peux rester rivière du Rempart. Et tu es dans la case, maçonnerie rivasse. Et nous, tu es content, les enfants, nous, tu es content là-bas parce que nous, tu es bien différent. Donc, à l'époque, toute la case, tu es dans la sali, quelques rôles, la case, tu es dans vinyle. Mais quand nous, tu es là-bas, nous, c'est dans un tissu tout en bas, nous passons tout la mélo là, c'était incroyable. Donc, et on vit dans la case, maçonnerie rivasse. Oui. Nous, tu peux maçonner tout dans le type. Et là, nous restons dans ce domaine Health Benefits là. Oui. Monsieur Boudin peut faire quelque chose d'incroyable. Et moi aussi, je suis un nos clients. Et il fait un lodge. Donc, nous allons visiter sa lodge là. Oui. Donc, dis-nous qui est dans la tête quand on va faire ça. Je vais construire un guest room, comme un campement, pour des gens qui sont intéressés vivre des jours, une semaine, un mois, pour mes vaches, pour mes bons animaux. Oui. Je ne te stresse pas derrière ça. Oui. Alors, si je viens là, si je ne viens pas là, je suis stressé. Tout le monde est là. Incroyable. Beaucoup de gens quand je viens là. Et en même temps aussi, non seulement ban bœuf, ban vache, mais aussi il y a sa nature qui est là tout autour. Oui, là. Of course. Oui. Okay. Un campement dans la nature. Ouais. Moi, tu peux dire aux autres, nous allons visiter. Je suis vous. Allez, venez. Monsieur Boudin aussi rescue des animaux qui ont mauvaise santé et qui peuvent bien soin et qui parfois dédicat pour nous occuper de ces animaux. Oui. Donc nous avons sa jeune volaille devant nous. Il y en a malade de la peau. Mm-hmm. Mais vous pouvez trouver sur l'état comment il était, combien de mousselots au lit. Et puis fatigué. Oui. Et puis ça fatigué, pensez qu'il y a 100 mousselots au lit, combien il est fatigué. Mais là, comme on prend ça, aujourd'hui même, nous pouvons construire un lassam pour lui. Un tinaçu. Oui, côté pour un affilé, pour côté un mousse pas pour rentrer en dedans. D'accord. Alors, je fais lui parce que nous comptons les animaux. Ouais. Et ce qui me propose, M. Boudin, devant vous, les Mauriciens, c'est qu'il y a des docteurs contre nous qui sont bien habitués avec Ban Vas, Dr Quentin et Dr Navin, donc, qui travaillent beaucoup avec les animaux de la ferme. Ouais. Donc déjà, moi, pour montrer les images, et pour que tu comment je capable aider déjà par les images. Et si pas bien même, je vous invite pour une consultation gratis d'accord. Contre Animalia. Ouais. Donc, je connais déjà, c'est un gros effort pour amener vers cela. Mais si vous réussissez à amener, je vous offre une consultation avec un traitement gratis avec un salaire. Merci beaucoup. Nous espérons, nous tout simplement, nous pas capables, nous pas capables d'être des animaux en aussi mauvaise santé que ça. Je connais pour tout ce que vous pouvez capable de faire. De nos côtés, il y a pour nous aussi une fin de chip. Donc, et nous pour faire. Hein? Donc, encore une fois, bravo.
Nous retrouvons-nous devant sa lodge que tu as l'air d'une causer. Monsieur Boudin peut faire ça avec ban moyen qui est là. Et aussi avec l'aide d'un monsieur qui nous pourra faire ce connaissance un petit moment. Et sa lodge-là, tu as l'air là quand Monsieur Boudin, il explique nous purpose. Ce qui me comprend, bien sûr, c'est qu'il ban dit qu'il a envie déstresser, reconnecter avec la nature, reconnecter avec ban animaux, reconnecter avec ban vaches. Et bien sûr, oublier stress net, ouais. Ce qui n'est pas venu. Hein, c'est tout négativité. C'est tout négativité. Et c'est raison. Et moi, bien sûr, je fonctionne avec un esprit citadin. Je peux penser à combien ça peut coûter. Et là, comme on gagne ça, quand on vient là, on dit moi, it would be free of charge. Oui. C'est une affaire qui vous peut faire dire bénévolement pour exactement. Permettre du monde de reconnecter avec la nature, reconnecter avec les animaux. C'est ça? Oui. C'est incroyable. Et dans sa entreprise là, où il y a un monsieur. Oui. Qui nous a pas dit, il nous fait où ça, oui, ça. Une build pour oui, c'est monsieur Rambojan. Donc bravo non. Déjà monsieur pour sa gestion. Moi je connais monsieur Boudin, enfin, il est dans Skun. Moi tu trouves lui souvent avec ce van basse. Il amène ce van basse dans la oui, prière. Oui, il amène ce van basse dans et la prière. Ou pas dire moi oui, ça. Oui, hein, il amène sa basse, ce van basse dans ce loto. Okay. Dans ce loto, par derrière, vous trouvez plein de coussins. D'accord. Basse. Plein. D'accord. Petit vase, mais pas trop gros, bien sûr. Moi aussi, pareil, moi, tous animaux, moi, je suis content. Adore. Un léquier pour les animaux. Là, je dis, M. Boudin, là, un jour, je suis venu, là, un jour dimanche. Je prends la famille, je suis venu, moi, mon madame, mon des enfants. Là, nous venons là, pour la bonne fin. Donc là, c'est la première fois que vous pouvez trouver ça lieu là, vous avez découvert ça lieu là. Exactement. Ça, je pensais, nous a fait des ans de cela. Avant Covid. D'accord. Avant Covid. Hein? D'accord. Là, on a découvert ça lié. Là, on a un peu vibré. Mm-hmm. On trouve ça quand c'est vaste là. Là, Prabhu, il explique nous, M. Boudin, il explique nous comment il peut faire ce travail là, tout ce vaste là, comment il peut gagner manger, comment il peut nourrir les autres. Donc là, déjà, l'étudiant qui. Quand il y a des animaux malades, vous donnez un petit coup de main parce que dans le métier constructeur, builder, ou en transport, donc vous donnez un petit coup de main de temps en temps pour amener des animaux malades. Oui, oui, un grand chose encore qui m'a pu dire. Là, on a découvert un petit peu plus, comment dire, les pieds là, on a compté un peu plus d'animaux ouais. Encore là. On est stressé beaucoup, on a attrapé au maille ta vase là oui, pendant oui. 5 minutes et lui montrer qui bénéficie. Au stress, allez. Mm-hmm. Ou stress diminuer. Dimoun peut découvrir cela, surtout, je pense avec ça. Grand période stressante qui nous passe avec Covid oui. Là. Je vais retourner, je vais trouver que l'ultimate answer, c'est bien sûr bon Dieu, mais aussi la nature. Ah, et là, par exemple, je vais aller dans la forêt, je vais faire des petites choses. D'abord, je vais tirer sur lui et me respirer. Parce que la Terre est nous trop déconnectée que la Terre. Oui, oui. Donc, et nous dire, nous avons un système électrique. Nous. Oui. Et le fait qu'il tout le temps nous permette caoutchouc oui. En bas, nous déconnecter que ça la Terre là, donc la Terre pas capable de replenir toute sa énergie là. Oui. Ça premier qui se, deuxième qui ben, peut trouver extra intéressant, là on cause pour voir, ben, on peut faire tree hugging, oui, oui. C'est-à-dire prendre un pied, maille et dis-moi comment explorer, mais là quand on peut maille un animal qui pur, oui. Un animal qui honnête envers oui. nous sentir ça build up. Quand on connaît M. Boudin finalement, on retrouve ou même peut adopter. Non pas un, non pas deux, mais trois wow. Avec. Tous les trois bien camarades, ça canne dans nos autres la case pour eux, mm-hmm. Dans nos autres matelas pour dormir, tu peux dans le matelas pour dormir. Vas, tu peux dormir dans le matelas. Donc, et dans le matelas là, moi aussi, ensemble, on dormit aux autres. Incroyable. Ni les autres battent, ni les autres, non, vous êtes bien gentils. Et là, quand on, bien sûr, des fois, nous prend sa décision là, la famille, comment elle accepte sa bonne vase? Ah ben oui, bonne famille, tu es bien content. Bon, tenir à belles autres que Animalia Flac, donc notre troisième clinique, ouais. Inouvert depuis 2 semaines maintenant, Animalia Flac, opérationnel. Là, nos prochaines émissions, nous connaissons qu'il y a une clinique vétérinaire oui. Qui est ouverte 7 Lozette, nous oui. Vis-à-vis de l'hôpital là-bas. Donc, vis-à-vis de l'hôpital oui. Civil, sur ce, l'émission peut terminer. Je dis au revoir. La semaine prochaine, nous pourrons aller vers une autre place, découvrir un autre endroit. Donc, nous allons finir nos autres d'ailleurs. Ce sera à Animalia Flac. Nous allons avoir une nouvelle clinique là-bas. Nous pourrons avoir un petit peu de Flac. Quoi. Nous, l'émission est finie. Moi, il passe un moment incroyable avec nos amis des animaux et là, nos amis des vaches et des bœufs.
et je peux honorer, je peux terminer l'émission à côté de sa bœuf très particulier que M. Boudin a causé tout à l'heure. Donc je peux terminer l'émission à côté d'Archima et je sais que je vais apprendre, je apprendre énormément sur les vaches, sur les bœufs et surtout dans ce travail incroyable que M. Boudin et son équipe peut faire ici à Petit Merlot. Et je peux vite je vais get de visu ce qu'il peut faire. Ils ont envie d'amener l'aide aussi. You're most welcome. Au revoir. Merci. Et à la semaine prochaine dans notre émission Animalia, nos amis des animaux.